On est au chapitre 3 et maintenant on va faire la Mishnah 3 du chapitre 3 dans la recension courte de Mantoue. Ce qui correspond chez nous à la page 107 qui correspond à la Mishnah 28 du Vatican. D'accord? Très bien, du codex là-bas. Donc cette Mishnah, tout le monde ne l'a pas, parce que vous voyez bien que ça a été inséré, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que y a des différences de version, bref. Donc on va lire ça tout doucement. Shalosh imot amash baolam. Donc on revient toujours sur notre histoire des amash, très bien. Et donc, on a trois Hamash, et la version Shalosh Imot Hamash Baolam, c'est encore une fois le leitmotiv qui va revenir, bien que ça va changer plus tard. Parce que nous rappelez-vous que maintenant, progressivement, on va comprendre qu'il y a trois degrés. Il y a un degré de Olam, il y a un degré de Shana, et il y a un degré de Nefesh. Pour le moment, on est par rapport à Olam, c'est-à-dire en gros ce qui va correspondre à dans le monde. Shaloshimot Ahamash Baolam, dans le monde ou dans la manière dont le monde est configuré. D'accord? Alors, nous on a ici Avir Ma'im Esh, c'est-à-dire qu'on a repris l'ordre des Hamash. C'est-à-dire Avir, c'est l'air. L'air qui procède le Aleph de Aleph, de Hamash. Ma'im, c'est même de même. De Hamash et Esh c'est le Shin, donc c'est-à-dire ici qu'on a donc l'air, l'eau et le feu. Donc si on a l'air, l'eau, si on a l'air, l'eau et le feu, pour revenir, donc on a centre, droit, gauche. On commence par l'élément central. C'était ce qu'on avait gagné dans la Mishnah. Ce qu'on avait plus, enfin, c'est ce qu'on avait exactement pu comprendre des Mishnayot précédentes. Que dans les Mishnayot précédentes, on avait nos trois éléments. D'accord? On avait dit Hamash, Aleph, Mem, Shin. Il y en a une qui correspond au plateau au plateau du devoir, une qui correspond au plateau du mérite, et une qui correspond à ce qu'on avait dit, le fléau de la balance. Maintenant, la difficulté, c'est que ça va tous renverser. Alors, il n'y a pas vraiment de difficulté dans le vocabulaire et dans les mots, mais tout va être sur comment est-ce qu'on va comprendre ça. Shamaim nivraou techila, ou nivraou, pardon, c'est plus clair. Shamaim nivraou techila me'esh, les cieux ont été créés, techila, au début, me'esh, à partir du feu. Virgule. Eretz Nivret. Pourquoi Nivret? Parce qu'Eretz, c'est un féminin. On est d'accord. Eretz Nivret Mimaim. La terre, elle a été créée, Nivret Mimaim, à partir des eaux. Ve'avir, et l'air. Machlia ben Haesh. Et l'air, il est Machlia. Et l'air, il est machria, il est équilibrant entre le feu et entre les eaux. Très bien. Shamaim nivraou techila me'esh, eretz nivret mimaim, et avir machria. Donc, si vous suivez bien, elle est déséquilibrée, la Mishnah. On recommence. Nous avons trois mers qui sont Aleph, Mem, Shin dans le monde. L'air, l'eau et le feu. Les cieux ont été créés en premier à partir du feu. Et la terre, elle a été créée à partir des eaux. Ve'avir, et l'air, il est équilibrant entre les deux. Mais l'air, d'où il sort l'air ici? C'est pour ça que le Rama qu'il a, Avir Nivra Miruach. Et l'air, il a été créé à partir du Ruach. Alors, ça fait partie des points de détail importants du Sefer Yetzirah. À savoir, est-ce que c'est quoi la différence entre Avir et Ruach?
Nous, si on est simplé, on va dire oui, bon, ok, très bien, ça correspond aux trois éléments. Donc il y a Esh, Maïm, Ruach. Ah, mais si tu me dis Esh, Maïm, Ruach, ou si tu me dis Esh, Maïm, Avir, ça change quoi? Nous, on était parti sur. Vous voyez très bien. Donc nous, on a Avir, Maïm, Esh. Les cieux, ils ont été créés au début à partir du feu. La terre, elle a été créée à partir des eaux. Et le Avir. Il est machria ben haesh, il est un équilibrant entre le feu et l'eau. Donc du coup, il n'a rien créé. Du coup, il n'a rien créé. D'accord? Parce que du coup, il va se situer comme étant un équilibrant plus haut. C'est sur ce point de détail qu'on va parler aujourd'hui et c'est la grande préoccupation du Ramak. Donc, on va revenir. Donc, on a trois imotamash, on a compris. On avait compris que maintenant, c'était un système de trois, que le système de trois, c'était un système fondamental, que le système de trois fondamental, c'était lui qui alimentait les sept, qui alimentait les douze. Donc, ça circulait. Très bien. Ça circule. Et maintenant, pour faire suite à la Mishnah précédente, on avait dit que ces trois éléments fondamentaux, ils allaient engendrer des paires. Et que des paires allaient sortir, soit d'après la version Nivra Kol, tout va être créé, ou soit on avait dit que de là allaient être engendrés des engendrements, des toladot. Donc a priori, cette Mishnah 3, elle va maintenant nous expliquer comment ça fonctionne. Très bien. Alors c'est une Mishnah très très étonnante, d'accord? Pourquoi je vais vous expliquer? Parce qu'elle remet en cause beaucoup de choses. Alors, donc on commence par les cieux. Shamaïm, Nivraout. Alors, pourquoi on commence par les cieux? Pour être en phase avec Bereshit. Bereshit bara Elohim et ta Shamaïm ve et ta Aretz. D'accord? Ve Aretz et ta Tovahu, ve Ruach Elohim et Rachef et al Pene Aretz. Et on a après le Ruach qui vient en troisième. Très bien. Donc, on renverse notre ordre. D'accord? C'est pour ça que on renverse notre ordre. Donc, on va commencer par les cieux. Et les cieux, ils ont été créés Techila. Alors, Ramak, il y a une grande question sur ce Techila. Ça veut dire quoi, Techila, au début? Alors, soit c'est Techila de Maaseh Bereshit. Très bien. C'est-à-dire, les cieux ont été créés Techila. Vous savez qu'il y a une différence entre le Techila et le Reshit. Mais on va dire que Techila, c'est le commencement comme dans un commencement chronologique. C'est la fameuse question de Rashi. Pourquoi il y a marqué Bereshit et pourquoi il n'y a pas marqué Techila? En gros, c'est que le Techila, c'est un commencement chronologique. Je commence par mettre de l'eau à bouillir et après je fais du café. Ça s'appelle le Techilat Advarim. Et il y a le Reshit Advarim, ça veut dire le Reshit, ça veut dire maintenant le fondement des choses. C'est pour ça qu'il y a la différence en français entre le commencement et le début. Pas pareil. Quand je débute par et il y a un degré qui s'appelle le commencement. Donc, Shamaim Nivreu Techila Mehesh, et les cieux, ils ont été créés au commencement à partir du feu. Très bien. Alors, Makidor, ok. Première explication, le Techila ici, il indique le commencement de la création. Mais on n'est pas non plus complètement novice. C'est expliqué plusieurs fois que Shamaïm, c'est Eshumaïm. Shamaïm, les cieux, c'est de l'eau et du feu. Donc ici, on est en train de nous parler de cieux qui seraient totalement feu. D'accord, Shamaïm Nivreu Techila Mehesh. Et si c'est comme ça nous pose le feu en haut. Donc ça veut dire que ça commencerait par le feu. Alors, c'est toute la grande difficulté que le Rama qu'il a sur cette question. Alors, il dit pour s'accorder avec le Midrash qui dit que les cieux ils sont Esh ou Maïm. Même si tu dis ça, hein, au commencement, c'est d'abord du feu. Ça voudrait dire ça, le Techila. Le début de la création des cieux, ça provient du feu. Très bien. Alors, un mec qui dit maintenant, il faut qu'on remette tout à plat. Nous, on était partis sur un principe de 3 Aleph Memchin. Très bien. On était partis sur Yud Kevav.
Donc maintenant, tu es en train de me dire, il faut suivre maintenant. Donc si tu me dis maintenant que le Yud, il est Chine, que le Yud, il est feu, alors qu'est-ce que j'ai gagné maintenant? Nous, on avait pensé que c'était Yud. Ce Yud-là, il va se déployer, comme dit le Rama, qui va faire un Vav. Et après, et le Vav, il se redéploie et il fait un Hé. Très bien. Alors maintenant, tu es en train de me dire que le Yud, il est feu. Alors, il y a beaucoup de difficultés avec ça. En fin de compte, le pshat le plus simple, ça serait de dire que, comme il a dit, qu'au début, Dieu, il a commencé à créer le monde avec la Gvoura. Comme il a ramené Rachid dans Bereshit, et il a vu que ça ne marchait pas, hein, et il y a associé l'attribut de miséricorde. Mais ça veut dire ici que le fondement, c'est le feu. Le fondement fondamental de tout, c'est le feu. Donc si c'est comme ça, le bon ordre, ça serait donc Chine. Ça serait d'abord de mettre en Chine. Très bien. Alors Rama qui me dit, bah, attention, il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre les éléments fondamentaux et les éléments en action dans la création. D'accord. C'est clair qu'ici, on n'est pas en train de parler du feu du briquet, ni du feu de la flamme. On est en train de parler du principe même du feu. Très bien. Il ramène que dans la halakha, par exemple, vous vous rappelez que cette fameuse bracha qu'on fait, Boré Meorea Esh, quand on va faire à la Avdala, qui a créé les luminaires de feu. Il ramène que ce serait même une bracha hein, qu'on pourrait faire. C'est Af, Or, Kochavim, Nivra, Meesh. Et donc, même si c'est comme ça, même la lumière des étoiles, elle a été créée à partir du feu. Chez Kenadin Nevarechalem Boré Meresh. Parce qu'on pourrait même, quand on voit les étoiles, faire la bracha Boré Meresh. C'est pas évident. Non. Bref, donc, on parle des étoiles. Quand nous, on parle de la flamme, pas pareil. Boré Meresh sur les étoiles. Donc, Chez Shamaim Nivriu Techila Meresh. Donc, du coup, on ne comprend plus grand-chose. Nous, on aimerait bien que les choses, elles commencent par Chesed. Et du coup, si c'est comme ça, V'eretz nivret mimaim. Et la terre, elle était créée à partir des eaux. Comment la terre, elle peut être créée à partir des eaux? Eretz nivret mimaim. C'est gentil de dire ça, mais comment on peut dire ça? Alors, si vous avez suivi, c'était déjà expliqué dans une Mishnah du chapitre 1. Où on avait dit Vela Sheleg Amar et Ve Aretz, un verset de Job. Ave Aretz, parce qu'il a dit à la neige, soit terre. Sur ça, ça voudrait dire que l'élément fondamental, le deuxième élément fondamental, c'est l'eau. Et l'eau, elle se durcit, elle devient de la neige. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, vous rappelez qu'il avait ramené que cette neige-là, elle était mitachat qui s'est à Kavod. Elle était en dessous du trône de gloire. Tout ça, c'est ramené dans les Mefarshim du Moyen-Âge, dans notre livre-là. Tout ça, c'est ramené au début. Et après, c'est cette neige-là qui va se durcir et qui va devenir de la terre. C'est ça. Tout à fait. Et elle correspond à la 10, tout à fait, parce qu'elle n'était pas dans la courte de Mantour. Très, très bien. Et là-bas, on avait dit qu'au départ, quand il avait fait, c'était à propos de Shalosh, Maïm Miroir, et là-bas, il avait fait, vous rappelez, Refesh Vatit. Vous vous rappelez, on avait appelé ça le limon, et on avait appelé ça le limon. C'était les différentes manières dont l'eau allait se durcir. Et ça, de la boue et de la vase. Et on avait trouvé, et j'avais peut-être dit aussi, oui, de la boue et de la vase. Et ça, de la boue, de l'argile et de la vase. En gros, c'est la Mishnah 10, tout à fait. En gros, c'est la Mishnah 10 du premier chapitre. Alors, si c'est comme ça, revenons chez nous. Donc, Ve'eretz nivret mimaim. Et la terre, elle est créée à partir des eaux. Très bien. Alors, n'oubliez pas que dans Maaseh Bereshit,
Vous vous rappelez que l'eau, c'est la terre qui sort des eaux. Que c'est marqué Rokaaret Salamaim. Il va étendre la terre sur les eaux. Rokaaret Alamaim. Il y avait des eaux partout. Et maintenant, la terre, elle est venue. Et la terre, elle est venue au milieu. D'accord. Donc, du coup, c'est ici qu'on va comprendre que Sefer Yetzirah, il nous met tout à l'envers. Parce que nous, ici, on est sur une base de trois éléments. Mais si on est sur une base de quatre éléments, alors la terre, elle est où maintenant? Parce que nous, on a Ruach Maim Esh, mais on a Afar aussi. Il est où Afar? Il a disparu. Et si maintenant tu me dis que la terre, elle est créée à partir des eaux, alors du coup, j'ai plus besoin d'avoir un élément terre. Donc ici, il nous a tout mis à l'envers. Shamayim nivriu techila mesh. Donc au départ, c'est du feu. Donc la terre, pardon, les cieux. La terre maintenant, c'est de l'eau. Ve'avir machria ben haesh u ben hamayim. Et on a un élément qui s'appelle le avir, qui s'appelle l'air, qui va se situer, lui, entre quoi? Entre le feu et les eaux, c'est-à-dire entre quoi? Entre les cieux et la terre. Alors, on va poser des questions aujourd'hui. Et les réponses, je ne les ai pas. Parce que du coup, c'est pas un, c'est, on n'est pas là pour avoir des réponses. Alors, on va continuer avec les questions. Maintenant, du coup, si on avait Avir, Machria, Ben Haesh ou Ben Hamayim, le Rama qui dit que si on a cette version-là, on a l'impression que on confond l'air et le vent. Tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, notez que si on suit l'ordre de la Mishnah, c'est-à-dire Shamaim Nivru Techilam Ech, c'est Shin, après on a Eres Nivret Mimaim, c'est Mem, et après Avir, c'est Aleph. Donc on est passé sur un Shin Mem Aleph. Exactement. On est passé sur un Shin Mem Aleph. Donc c'est pour ça que le Rama qui pense que lui, la version qu'il a, c'est que c'est Avir, Nivra, Miroir. Donc on a trois éléments fondamentaux qui s'appellent Ruach, Maïm, Esh. Le Ruach, il va former le Avir. Les Maïm, les eaux, elles vont former la terre. Et le feu, il va former le ciel. Et du coup, la Mishnah, maintenant, elle devient équilibrée. Parce qu'on a maintenant... Je répète, le feu qui va créer le ciel, les eaux qui vont créer la terre, et le roi qui va créer le avir. Alors, la distinction entre roi et avir, c'est un sujet qui va diviser tous les commentaires kabbalistiques du Moyen-Âge. Et rappelez-vous de la discussion qu'on a vue, nous, à propos, est-ce que c'était avir l'air ou est-ce que c'était avir l'éther? Est-ce que c'était l'air comme on a aujourd'hui, l'air qu'on respire, ou pas? Maintenant, ce qu'on a compris, c'est que ça va former donc maintenant les créations fondamentales. Et ces créations fondamentales, elles vont maintenant se diviser par rapport à un degré de 3. Notez que quand même, pour ajouter encore des bonnes questions, pour pas qu'on dorme bien, pour pas que vous dormiez tranquille, c'est qu'ici, on a parlé de Boré. Ici, on a employé le terme de Bria, de création. Alors que nous, on est censé être dans le Sefer à Yetzira. C'est pas pareil. Ça, c'est effectivement la question de base. Alors du coup, c'est pas pareil. Donc on a l'impression qu'ici, le Sefer Yetzira, il nous mélange tout. D'accord. Alors, le Rama qui dit si c'est comme ça, il faut qu'on comprenne que tout de suite, ces éléments de même Aleph Shin ou de Aleph même Shin, ils bougent. Là, ici, je comprends bien. En haut, ça serait même Aleph Shin, c'est-à-dire à droite, l'eau, le Aleph Avir au centre et le feu à gauche. Et qu'en bas, c'est Shin Aleph même, c'est-à-dire Shin, le feu, Aleph, Roar et Maïm. En fin de compte, de quoi on parle? De quoi on parle? Nous, c'est facile, au départ, on est gentil, on pense, voilà, Sefer Yetzirah, il nous dit comment le monde il a été créé. Mais Habibi, ça ne peut pas marcher comme ça.
C'est vrai que nous, on voit le ciel en haut et on voit la terre en bas. Et on a l'impression qu'il y a un élément entre les deux. D'accord ? Alors, comme le Rama, il veut pas admettre, et il a raison, enfin, d'après lui, que le feu, ce soit l'élément primordial, il dit qu'ici, on nous décrit les choses par rapport à en bas. C'est-à-dire que par rapport à en bas, quand on regarde, nous, on voit d'abord le ciel, après, on voit ce qu'il y a entre le ciel et la terre, et après, on voit la terre. Alors, nous, ici, on n'oublie pas ce qu'on a dit, nous, on nous dit d'abord le ciel, après la terre, et après, il y a un élément central entre les deux. Et cet élément central entre les deux, il provient lui aussi d'un de ces trois yesodos qui provient de ces trois lettres mères qui s'appelle le Aleph. Et ce Aleph-là, qui normalement il est Avir, donc lui, il va procurer le roi. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il a raison, parce qu'il dit parce qu'il faut qu'à un moment que cette création, elle ait un but. Or, le but, c'est que maintenant, qu'on arrive au fait qu'il puisse y avoir un homme qui va être au milieu de la création. Et cet homme dans la création, comment est-ce qu'il va agir les choses ? Alors, il dit que quand on prend les choses depuis Maaseh Bereshit, on peut comprendre comment ça fonctionne, c'est vrai. Que par exemple, le Rakia, quand on a dit Roka Aretz Alamaim, c'est-à-dire il a fait une étendue. On savait que le Rakia, au départ, ça désigne aussi le ciel. Alors il dit, le Rakia aussi, il est Hesh au départ. Mais après, il va se transformer. Le Rakia, il est Hesh au départ. Et après, il va devenir différemment. Reprenons. Donc, maintenant, il dit que toutes les difficultés, elles sont sur la dernière partie de la Mishnah. La Mishnah, elle a dit, Ve'avir machria ben ha'esh ou ben ha'mayim. Et l'air, il est équilibrant entre les deux. Très bien. Je vous répète, lui, il pense que c'est beaucoup mieux de dire Avir Nivra Miroir et que l'air, il est créé à partir du Ruach, qui est équilibrant entre les deux. D'accord ? Alors, si vous vous rappelez, on avait déjà vu ça dans le Pardès, très très longuement, quand on avait parlé des rapports entre les éléments. J'avais même fait un graphique, il y a très longtemps. Alors on y va. Le feu, il a quoi comme particularité ? Le feu, il est chaud et sec. Vous vous rappelez de cette histoire ? Le feu, il est cham veyavesh. L'eau, elle est quoi ? L'eau, elle est froide et humide. Karim velachim. Et la terre, elle est froide et sèche. Ça veut dire qu'elle va prendre le côté froid du côté des eaux et elle va prendre le côté sec du côté du feu. D'accord ? Mais maintenant, quand on va associer la terre à l'eau, du coup, elle devient froide et humide. Et l'air qui est entre les deux, Véavir qui est entre les deux, du côté du feu, il est chaud et du côté de l'eau, il est humide. Et donc, du coup, il va être chaud et humide. C'est ça l'histoire que Esh, que Avir est entre eux. Ça veut dire qu'il prend une qualité de chaque. D'accord ? Il prend l'une des qualités de chaque. Donc, ça veut dire qu'il est équivalent à l'eau du point de vue de l'humidité, c'est-à-dire donc du côté de la terre, et il est équivalent au ciel du côté du feu qui correspond au degré de la chaleur. Et c'est ça qui va procurer la vitalité des créatures qui vont se trouver dans le monde. Et donc du coup, maintenant on comprend que le principe de vitalité, il provient de ce principe-là qui s'appelle Ruach, qui provient lui de Avir. C'est ça, Avir Nivra Miroir. Qui provient de Ruach, et que s'il n'y avait pas ça, on pourrait même pas vivre. D'accord ? Alors, on peut la reprendre dans tous les sens, dans cette Mishnah. Rabbi Chaim Vital, il n'a pas lu, ou en tout cas, il n'a pas ramené dans son commentaire.
Tous les gens qui veulent tirer le Sefer Yetzirah du côté de la physique, ben, ils trouveront des arguments pour dire que la terre, son essence, c'est l'eau, et que le feu et que le ciel, son essence, elle est du feu. Vous comprenez aussi que maintenant, on parle pas forcément du ciel physique. Que quand vous voyez le ciel, qu'est-ce qui permet nous, qui fait qu'on voit le ciel? C'est parce qu'il y a de l'air. Sinon, on ne pourrait pas voir. Donc il s'agit maintenant ici des éléments fondamentaux. Pour compliquer l'histoire, le centre de la Terre, c'est quoi? C'est du feu. Donc ça dépend comment on voit les choses. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le Sefer Yetzirah au comptant. Il faut se laisser porter par ce qu'il vous apporte. Que si vous commencez maintenant à rentrer dans trop de digressions intellectuelles et physiques, vous allez vous y perdre. Vous allez vous y perdre et puis surtout, vous aurez la physique assez vite contre vous. Donc, ce qu'on veut comprendre maintenant, c'est que les choses, elles bougent. C'est que les choses, elles bougent. Pour revenir sur le dernier point, après tout, pourquoi ça nous dérangerait que le Yud, de Yud Kevav, de Yud Vavki soit Esh? C'est vrai que ça décale toute l'architecture. Parce que si il est Esh, donc le He, il est haut. Et le Vav, il est Rouach. Nous, on avait pensé qu'on avait Yud, Ke et Vav. Ça veut dire qu'on a un côté droit, le Yud, Chesed, un côté gauche, le He, qui est Gvura, et le Vav qui est au milieu. Maintenant, il faut que vous ayez dans votre tête toutes les Yetzirah d'un coup. Sinon, ça ne marche pas. Il faut avoir tout d'un coup. Donc maintenant, si je dis que le Yud, il est Esh, alors je suis obligé de dire que le E, il est Maïm. Et le Vav, lui, ne bougera pas, il sera Rouar. Ce qui voudrait dire que donc, si on va d'après le Ramak, ça veut dire que c'est le feu. Le feu, il va déployer le vent. Et le vent, elle va déployer l'eau. Il a dit que c'était un Yud qui fait un Vav, qui fait un E. Ou alors, si on les voit sur 3 degrés, c'était, on avait dit, axe de droite, axe de gauche, axe du centre. D'accord ? Donc, il faut faire tourner les choses de cette manière. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.